revenir pour un petit haul. En fait, je vous l'ai promis il y a quelques jours, je vous avais dit que j'allais vous montrer ce que j'avais ramené de chez Audio. Donc voilà, c'est parti, je vais vous montrer tout ce que j'ai ramené de chez Audio. Donc je vais commencer avec les produits que j'ai eu gratuitement pour revue. Et si vous me suivez, vous les connaissez déjà, il s'agit donc des deux eaux de beauté d'Alep. Donc il s'agit de l'eau à base de fleurs d'oranger et de l'eau à la rose. Donc bien entendu, hein, vous le savez, je les ai mis dans mes favoris. Celle-là, c'est vraiment celle que je préfère. Et la dernière fois, j'avais également eu cette crème pour les mains avec son flacon pompe que je vous ai également mis dans mes favoris d'avril et qui est à la figue et qui sent juste trop, trop bon. Et cette fois-ci, ce que j'ai ramené pour revue, eh bien, il s'agit d'une bougie pour les massages. Non, 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 pas une bougie pour faire beau, une bougie pour se faire chouchouter par le chéri. Donc celle-ci, je l'ai prise au parfum vanille coco. Donc pour celles qui ne connaissent pas le fonctionnement des bougies de massage, il faut tout simplement allumer la bougie, faire fondre un peu de cire, éteindre la bougie, attendre quelques secondes que ça refroidisse un petit peu quand même, et tout simplement avec le petit bec verseur, faire tomber la cire là où on souhaite faire le massage, et en fait ça se transforme en huile, ça ne durcit pas comme de la cire à bougie basique, d'où l'intérêt pour faire un massage. J'ai également choisi de tester un autre produit d'Urance, un autre produit pour le corps cette fois-ci. Il s'agit de la nouvelle gamme de lait corps hydratant parfumé, et je l'ai à nouveau pris à la figue, mais à la figue d'été, et ça sent mais vraiment trop trop bon. Je passe ensuite au produit que moi j'ai acheté parce que j'avais également envie de les tester. Alors il s'agit déjà d'une eau d'Alain. Donc tout le monde connaît la pierre d'Alain, mais moi j'ai décidé de la prendre en fait sous cette forme en liquide. Parce que l'avantage c'est que bah, pour l'application, c'est-à-dire aussi bien sous les aisselles que sous les pieds ou dans les mains pour éviter la transpiration, bah, là l'avantage c'est que... Bah, c'est un spray, donc beaucoup plus pratique que la pierre qu'il faut mouiller un petit peu et passer comme ça. Enfin voilà, c'est un côté plus pratique, plus hygiénique, donc à tester. Ensuite, si vous avez regardé ma vidéo de présentation des magasins Audio que j'ai réalisé lors de ma première réunion, vous le saviez, j'en avais envie, donc là j'y suis retournée, je l'ai prise. Ma brosse pour la cellulite. Donc voilà, j'ai pris celle-ci qui a vraiment une prise en main très sympa avec sa petite lanière là. Alors je vous mettrai le prix de tous les produits sous la vidéo, hein. N'hésitez pas à aller voir sous la vidéo dans la barre d'infos. Je vous mettrai tout ça dès que j'ai 2 minutes. Voilà, j'ai trouvé que la prise en main était sympa. J'ai pas voulu prendre seulement des picots parce que l'avantage c'est qu'avec les poils en plus, ça fait vraiment un petit côté gommage à la fois. Donc pareil, à tester sous la douche avec... Bah, ou en exfoliant ou tout simplement le gel douche, déjà ça sera pas mal. Ensuite pour la fête des mères, Audio avait également ressorti toute une gamme de donc, bougies, celle-ci en faisait partie, mais également de lait, de gel douche, voilà plusieurs choses. Et j'ai craqué pour la senteur musc blanc. Alors je ne sais pas si vous connaissez le white musc de The Body Shop, mais ça... Bah, ça sent exactement pareil. En même temps, ça s'appelle musc blanc, donc c'est un petit peu logique. Mais c'était pas forcément évident, hein, donc il a fallu que je sente et je me suis rendu compte que c'était cette odeur que j'aime tant. Alors du coup, je me suis pris le lait corporel et le gel douche. Alors le gel douche plus pour monsieur, parce que c'est vrai qu'il râle un peu de devoir utiliser des gels douche qui sentent la fille. Alors de temps en temps, je pense à lui, j'en achète un qui sent un peu plus mixte, on va dire, parce que ça, c'est pas forcément masculin, c'est mixte pour moi. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis également pris le lait. Le lait, je l'ai pris pour moi, pas pour monsieur. De toute façon, même si je lui donne, il le mettra pas, donc autant que je le mette. Hein. Et ensuite, le truc chez Audio, c'est qu'il y a toujours des petites bricoles qui traînent dans des bacs, là, en plein milieu, avec des prix très abordables. Et dans ces bacs à bricoles, j'ai trouvé ça. Donc ça, disait quoi? Qu'est-ce que c'est? Eh bien ça, c'est un petit masque avec des petites billes dedans qu'on est censé mettre au frigo pendant 1 heure ou au congélateur pendant 15 minutes. Et ensuite, on se l'applique sur les yeux pour un coup de frais, pour reposer, pour faire du bien. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, mais c'est trop bien, hein, forcément pour moi, hein, pour mes rites, pour tout ça, ça va être génial. Donc je l'ai pris. Également, vous l'avez vu sur Instagram si vous me suivez, je me suis pris la serviette en microfibre pour les cheveux. Parce que c'est vrai que je fais partie de celles en fait qui mettent toujours une serviette basique. Hein, donc la tête en avant, hop, on roule, on attache derrière. Et puis en fait, dès qu'on se brosse les dents, la serviette tombe. Dès qu'on cherche un truc dans un placard, la serviette tombe de l'autre côté. Il faut toujours la refaire et tout. C'est super pénible. Et depuis le temps que ça existe, hein,
Bah, je n'en achète que maintenant, j'avoue. Et donc pour celles qui me demandent comment ça se met sur Instagram, je vais vous montrer ça tout de suite, même si je n'ai pas les cheveux mouillés et que ça va être à mon avis une grosse galère avec la tignasse que j'ai quand ils sont secs, mais j'essaye rien que pour vous. Donc voilà, quand tous les cheveux sont mouillés, on a beaucoup moins de mal à les mettre dedans, hein, mais là forcément, vu qu'ils sont secs, il y a trop de volume. On a donc tous les cheveux à l'intérieur, on tourne. Et là, au bout, vous avez un petit élastique. Quand vous avez fini de tourner, vous mettez ça derrière la tête et vous venez accrocher au petit bouton qui se trouve derrière. Et ça tient. Et c'est super parce que là, vous pouvez vous pencher, vous pouvez vous brosser les dents, vous pouvez secouer la tête, ça tient. Voilà, c'est juste extra. Donc j'ai pris en microfibre et j'ai également pris en version bambou pour voir si vraiment il y en avait une des deux qui absorbait plus vite que l'autre. Donc bah, je verrai ça à force des utilisations. Puis ça permettra aussi d'en avoir une quand celle-ci est à laver. Donc voilà, j'arrive à la fin de ce petit haul. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous aussi vous avez déjà acheté des bricoles dans un Zodio, si vous avez la chance d'en avoir un près de chez vous, surtout n'hésitez pas à venir me dire dans les commentaires s'il y a des produits que vous avez déjà et que vous aimez particulièrement. Moi je vous avoue que j'ai hâte de tester en fait ce petit masque là. J'ai pas encore testé parce que je voulais vraiment le laisser là pour pas oublier de vous le montrer, mais je vous avoue que j'en ai grave envie, ne serait-ce que pour voir si ça donne vraiment un petit coup d'éclat au visage, enfin aux yeux en tout cas. Et puis également ça là, mais ça c'est juste parce qu'il y a urgence hein, tout simplement. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et puis en attendant la prochaine vidéo ou une prochaine revue, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao.